Hey, salut YouTube! Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas bien. Voilà. On vous avait prévenu sur les réseaux sociaux, hein, dans la description, sur mon Instagram, Ahmed LND. Je vous avais dit que, même dans la vidéo de rentrée qui s'affiche en haut de votre écran, si vous regardez sur téléphone ou sur ordinateur, on vous avait dit qu'avec Yann, on allait essayer de reproduire une vidéo que Gurki avait faite. Gurki, qui est un youtubeur québécois, pote d'IKILU, j'adore son contenu, j'adore ses vidéos. Clairement, on assume le fait qu'on reprenne son concept. Voilà, donc si vous avez envie de dire hey, il plagie, ça sert à rien. On vous mettra d'ailleurs dans la description le lien de la vidéo originale. Et en fait, avec Yann, un jour, on était en train de bosser, petite pause déj, on se dit bah tiens, on se met des vidéos, on voit celle de Gurki, il est mort de rire, il me dit je vais te faire la même chose. Yann, il est là, il est derrière la caméra. Bonjour. Et il est mort de rire d'avance. Parce qu'il m'a préparé plein de liquides que je vais devoir tester un peu à l'aveugle, c'est le concept de la vidéo. C'est parti. Bon, bah c'est simple, hein. Le principe il est tout con, il y a une boîte, je ne vois pas ce qu'il y a, voilà. J'ai trois pailles qui dépassent, une bleue, une verte et une rouge. Vraiment, je sais pas. Oh, le fait de... J'ai le droit de sentir, non? Non. Plouf, plouf, 1, 2, 3, ce sera toi que je choisirai au bout de 3, 1, 2, 3. Ah non! Mon instinct me disait de partir au milieu. Chouette. C'est horrible, c'est horrible. Un jour, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je ne le ferai jamais. On fasse la version avec Yann. Je te préviens, je ne le ferai jamais. Si on atteint, je sais pas moi, les 2000 pouces bleus. 18 millions. Non. Bon, allez. Ah, c'est allez, vas-y. Je stresse, vas-y. Putain, mais hey, t'es pas au courant, c'est stressant mais de ouf. Mais une vraie gorgée, quoi. C'est du vinaigre? C'est du vinaigre de riz, ouais. Et je dois être en train de rigoler, là. Est-ce que je fais bon courageux? Est-ce que je m'entends? Là, y a, sur la série de 3, il n'y a rien qui... Il n'y a rien de sympa. Attends, mais il y a combien de séries au total, là? Ah, il y en a au moins 3. Puis j'ai un bonus. Mais ça, tu verras à la fin de la vidéo. Non, mais frère, attends déjà. Et je vous jure, il ne connaît absolument rien de la préparation. C'est-à-dire que là, le bonus, il était même pas au courant. Non, mais je sais absolument rien de tout ça, en fait. Là, je vais me venger, je te jure. Non, vas-y, je ne ferai jamais celui-là. Je vais suivre mon instinct, je vais repartir sur celle-là. Oh, ça va! Oh! C'est du jus de cornichon. C'est du jus de cornichon, c'est ça. Oh, ça va! Au début, c'est hyper chelou parce que tu sais, tu vois pas. Donc, au début, c'est hyper vinaigré. T'es là, tu te dis, c'est quoi ça? Et puis, au final, tu sais, c'est un peu sucré, un peu acidulé. Non, celui-là, il est pas mal. C'est du jus de cornichon. Putain, je savais que j'aurais dû suivre mon instinct et partir au milieu dès le début. On se fait le dernier ou pas? Ah, on peut se faire le dernier. Pour moi, le dernier, c'est le moins pire. Donc, ah ouais? Ouais. Dis quoi? C'est de l'huile d'olive. Je vous laisse le son, hein. C'est immonde! Non mais attends, il me dit c'est le moins pire. Bah c'est le moins pire, l'huile d'olive. C'est pas le moins pire. Bah. C'est dégueulasse en bouche. J'avais l'impression d'avoir... Au début, tu sais ce que j'avais l'impression d'avoir de la crème chantilly dans la bouche. Crème chantilly. Mec, je te jure, quand t'as pas les yeux, les sens ils se développent et tu sais, c'est très, très épais, très chaud. Et du coup, heureusement que j'ai pas bu. Hein. Ah, j'ai dit à Yann de me ramener du iced tea. Et un saladier. Franchement, je comprends pas. Comme ça, moi j'aurais pas à aller là-bas si j'ai besoin de légère. Il faut se lancer, hein, c'est bon. Dis-moi un chiffre entre 1 et 10. Bah, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est celui-là ou pas que t'avais envie? J'avais rien. J'avais rien en tête, là. La petite nature. C'est quoi? C'est sucré? C'est un truc de ouf. On dirait du coca. Bah, c'est du coca, ouais. Lourd! Ah bah, attends. Ouais, garde-en un peu. Non, vraiment, garde-en un peu. Pourquoi? Ça, c'était le sympa. Ouais, mais normalement, c'est une paille par série. Les autres trucs, c'est des... Non, normalement, c'est une paille par série. Non, bah non, attends, oh. Le but, c'est de savoir, c'est d'essayer de définir ce que tu bois.
C'est quoi, c'est de la sauce soja? Non. Mais c'est hyper dégueulasse, c'est hyper salé. Bah, c'est de l'eau salée. Je me suis peut-être emballé sur le sel, non? Ouais. C'est le pire, le dernier? Non, c'était celui-là, le pire. Mais ça monte pas! Ah, il faut aspirer fort. C'est dégueulasse! Mais non! C'est quoi? Fais gaffe, je vais plus pouvoir tenir la caméra. C'est quoi? C'est dégueulasse! La sauce tomate. Ah, c'est de la merde! Bon, c'est la dernière, là? Ouais, c'est la dernière. Et après, il y a le bonus. C'est quoi, le bonus? Le bonus, c'est des trucs à manger. Bon, j'ai fait celle-là en premier, j'ai fait celle-là en premier. Je vais faire celle-là en premier. Vas-y. C'est un enfoiré. Il n'y a rien qui transparaît sur son visage. Il est, mais genre, c'est impossible. Impossible à déterminer. De la moutarde. C'est de la moutarde. Mais attends, Ahmed, c'est de la moutarde américaine. Bah super, je m'en fous. C'est bizarre. C'est je sens rien parce que... C'est bizarre. Et oui, mais en fait, j'ai le goût de la moutarde qui est omniprésent. Ouais. Et je sens rien. Bah reprends-en un peu. Puis au pire, les urgences sont pas loin, donc... T'es au courant que là, les abonnés sont en train de se foutre de ta gueule, quoi. Ouais. 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 Ouais, c'est de l'eau. Ah, d'accord. Bon, ça va, c'est du jus de pomme. Non. Non. C'est du jus de raisin. C'est du jus de raisin, ouais. Ça va. Putain, en fait, j'ai commencé par le pire. T'as commencé par le pire. Ouais, en fait, il m'a mis deux trucs sympas parce que derrière, je sens qu'il y a la douille qui arrive et qu'il m'a mis des trucs d'enfoiré pour la bouffe. Eh non, t'inquiète pas. Apparemment, on est sur le bonus. Je ne sais pas ce que c'est. Je lui ai dit, est-ce que tu veux que je me bande les yeux? Il m'a dit, non, non, de toute façon, tu sauras pas ce que c'est. Donc, je peux soulever? Oh, bah, vas-y, vas-y. Ah, ok. T'as regardé Harry Potter quand t'étais gamin? Ouais, bah ouais. Les dragées surprises de Bertie Crochu, ça te dit quelque chose? Ouais, avec vos crottes de nez, tout ça, tout ça. Exactement. Je suppose qu'il faut que je me lance. Ah bah écoute, tu veux un indice? Ouais. Alors sur les quatre, il y en a un qui est bon. On va commencer par celui qui ressemble le plus à un truc normal, qui je pense est le plus dégueulasse. Bah vas-y. C'est flippant. Alors? Ou chewing-gum? Non, normalement, c'est de la pomme verte. Ah oui, effectivement, mais on sent la pomme, oui. Voilà. Donc, ouais. C'était le sympa. D'accord. Ça, c'est le revers de la médaille, c'est que maintenant, tu sais que les trois, là, tu vas te prendre un truc vraiment dégueu. Ah putain, vas-y, je vais commencer par celui qui me fait le plus peur, là. Celui-là, là, okay. Regarde. Oh, il est immonde. C'est que des arômes, Ahmed. T'inquiète pas, c'est pas vrai. C'est le bonboisie. Bon. On dirait du fromage pourri. Je crois que c'est vomi. Ah putain, c'est monde. En fait, t'as vraiment décidé de me payer ma tête aujourd'hui. Ouais, et puis en plus, j'ai eu des assistants sur la préparation de ce truc. Alors, ça c'est... Ah mais ouais, ça c'est sympa, ça. Ah, maintenant, faut identifier. Si t'arrives à identifier, t'es trop fort. Goût poubelle. Non. Goût poubelle. Je crois que c'est crotte de nez, ça. T'es au courant que tu perds toute ta crédibilité. Mais c'est toi aussi avec tes idées à la con. Bah je suis désolé. Hein. Et en même temps, quand je t'ai proposé l'idée, tu m'as dit ouais c'est cool. Mmh. Si. À la base on était pas parti sur ça, à la base on était parti sur les liquides. Et t'as fait plus dur. Ah mais j'ai... Non mais ça... les goûts ils veulent pas partir en plus. Je parle, j'ai... Ah. J'espère que vous régalez autant que moi. Je suis pas sûr que t'en aies déjà mangé de ça. J'en ai marre. Ah oh bah t'es pas sport. Hein. Tu recraches. Je l'ai encore en bouche, en plus il colle au dos ce bâtard. Mais c'est quoi? Je te le dis en anglais? Ouais. Earwax. J'ai la gerbe. Ah j'ai la gerbe.
Alors ça, c'est le dernier défi. Mais non, j'ai pas bouffé Maurice. Ça, c'est, hein. C'est le dernier défi. J'avais envie de faire de mon hamster russe. Bah ouais, mais là, on le voit plus à l'image. Hein. Ah bah vas-y, rapproche-toi là, viens. Vas-y, viens la caméra, toi. Dis what? Bonjour à 100 000 abonnés. Il est tout flou. Tu vois, voilà. Non, mais ça, jamais de la vie, je le mange, t'es ouf, toi. Bah, bon. Faut le faire cuire, surtout, avant. Oh, c'est horrible. Ah, bâtard. Oui, il me mord parce qu'il est pas content parce que je l'ai réveillé pour la vidéo. Tu vois, hop là, avec son petit cul, là. Merde. Bon, vas-y, fais pas mille ans, on s'en fout, sinon on le bouffe. Non, on le bouffe pas. Oh putain, ma meuf va me tuer. On n'a rien vu. C'est un cascadeur, c'est un Yamakasi. Non, tout ça pour vous dire, les gars, que bah voilà, on a voulu tester un nouveau concept. Un concept vraiment posé, à la cool, à la maison, avec Yann. Histoire de changer un petit peu des vidéos ultra produites, des vidéos ultra pro. On espère que ça vous a plu. C'est juste un test. Vous nous faites savoir dans les commentaires ça vous plaît pas. Et puis pareil, hein, si jamais ça vous plaît, vous nous dites également dans les commentaires, vous nous dites voilà, on en veut d'autres ou on n'en veut pas plus. Parce qu'on est là pour tester en fait sur cette chaîne YouTube. Alors on a vu le concept de Gurki, on l'a trouvé drôle, on a voulu l'adapter à notre façon. Dites-nous dans les commentaires si vous en voulez d'autres ou pas, si vous voulez que Yann non, passe non. devant la caméra ou pas. Non, Yann ne veut pas passer devant la caméra, Yann est très timide. Non, et puis surtout, si jamais vous avez, je sais pas moi, typiquement des idées de concepts, des idées de vidéos comme ça à faire en appartement, je sais pas moi, avec Ah, bâtard! Avec des dégustations, avec des petits trucs comme ça à faire. Avec tes conneries, on va être démonétisé, quoi. Mais non, ça marche toujours de mettre des animaux dans des vidéos, apparemment. Non, mais voilà, en tout cas, si jamais vous avez des idées de vidéos que vous avez envie qu'on fasse, je sais pas, moi, bouffer les yeux bandés, parce qu'il y en avait ramené un bandeau, bah, n'hésitez pas. Voilà, dites-le nous, en tout cas, en commentaire. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à commenter également, à partager cette vidéo, à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. On revient, comme l'a dit Yann, la semaine prochaine à 11h11, dimanche prochain, avec Florian en air pour une nouvelle émission qui s'appelle Call Up, dans laquelle on vous appelle. C'est votre YouTuber favori qui vous appelle. Ce sera dimanche prochain à découvrir sur cette chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Je vous laisse parce que là, il est totalement déchaîné. Il a envie de rentrer dormir. Donc, je vais le remettre dans sa cage. Tiens, on dirait, toi. Sauf que lui, il n'a pas mangé des trucs dégueulasses. Bref, sur ce, on va se quitter sur un plan d'un petit hamster. Et puis, on se retrouve dimanche prochain, 11h11. Non, ça, c'est un micro, Maurice. On se retrouve dimanche prochain à 11h11 sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Ciao, ciao. Salut.